Lecture du livre Patriarche et prophète d'Ellen White. Voici la suite du chapitre intitulé « La destruction de Sodome ». Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Ses gais rayons semblaient n'éclairer dans les cités de la plaine qu'une scène de paix et de prospérité. Le mouvement renaissait dans les rues. Chacun se rendait, qui à ses affaires, qui au plaisir de la journée. Les gendres de Lot riaient encore des avertissements et des craintes de vieillard quand soudain, comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages, la tempête éclate sur les villes de la plaine fertile. Du ciel s'abat sur la terre une pluie de feu et de soufre. Les palais et les temples, les luxueuses demeures, les jardins et les vignes, aussi bien que la gaie et folle multitude qui la veille avait insulté les messagers célestes, tout est enveloppé de flammes. Et la fumée de la conflagration qui monte vers le ciel comme celle d'une grande fournaise annonce que la belle vallée de Sidim est devenue un lieu désert qui ne devra plus être ni habité ni rebâti. Une désolation proclamant à toutes les générations futures la certitude des jugements de Dieu. Les flammes qui consumèrent Sodome et Gomorre étendent jusqu'à nous leur sinistre lueur. Elles nous enseignent cette chose terrible, que si la miséricorde divine supporte longtemps les prévaricateurs, il y a dans le mal une limite que les hommes ne sauraient impunément franchir. Quand cette limite est atteinte, le rôle de la miséricorde s'arrête et celui du châtiment commence. Jésus a fait entendre qu'il y a des péchés plus graves que ceux de Sodome et de Gomorre. Ceux qui entendent la bonne nouvelle de la grâce les invitant à la conversion et qui n'en tiennent pas compte, a dit le Sauveur, sont plus coupables que les habitants de la vallée de Sidim. Un mal plus irréparable est commis par les gens qui professent connaître Dieu et observer ses commandements alors qu'ils les renient par leur caractère et leur vie quotidienne. L'allusion de Jésus au sort de Sodome renferme un avertissement solennel destiné non seulement à ceux qui commettent des péchés scandaleux, mais à tous les hommes qui se jouent des appels de Dieu. Le message du témoin fidèle à l'église d'Éphèse renferme ces paroles. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé ton premier amour. » Souviens-toi donc d'où tu es déchu et te convertis et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viens à toi promptement et j'ôterai ton candélabre de sa place à moins que tu ne te convertisses. Ému d'une compassion plus profonde que celle d'un père ou d'une mère à l'égard des fils perdus et malheureux, le Sauveur attend la réponse à son offre d'amour et de pardon. D'une voix suppliante, il adresse à l'enfant prodigue cette invitation « Reviens à moi et je reviendrai à toi ». Mais si la brebis perdue persiste à fermer l'oreille à la voix tendre et plaintive du berger, elle finira par s'égarer dans les ténèbres. À la longue, le cœur qui repousse la grâce divine s'endurcit dans le péché et finit par n'être plus sensible aux intimations du ciel. Un sort terrible est réservé à celui dont le bon berger, jusque-là compatissant, dira « Il s'est attaché aux idoles. Laissez-le faire. » Au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour les villes de la plaine que pour ceux qui ont connu l'amour de Jésus et qui lui auront préféré les plaisirs d'un monde de péché. Vous qui tournez le dos aux offres de la miséricorde divine, ne voulez-vous pas réfléchir à tout ce qui s'inscrit contre vous dans les livres du ciel? Sachez qu'on y enregistre fidèlement l'impiété des nations, des familles et des individus. Aussi longtemps que le compte est ouvert, Dieu vous offre le pardon. Il vous invite à la conversion. Il patiente, et cette patience peut être longue. Mais un jour viendra où le compte sera clos, où votre décision, volontairement prise, sera enregistrée et votre destinée fixée. Et alors sera donné le signal pour l'exécution de la sentence. Il existe un motif d'alarme dans la condition actuelle du monde religieux. On s'est joué d'un Dieu de miséricorde. On foule aux pieds sa loi
en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. L'incrédulité règne dans bien des églises. Non pas l'incrédulité au sens ordinaire de ce terme, celle qui rejette l'Écriture purement et simplement, mais une incrédulité enveloppée d'un manteau de christianisme et qui sape la foi en la Bible comme révélation divine. La piété fervente a fait place au formalisme. Il en résulte que l'apostasie et la sensualité sont à l'ordre du jour. Jésus-Christ a déclaré que, comme il en était au temps de Lot, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Les événements quotidiens attestent l'accomplissement de cette parole. Le monde marche rapidement vers le jour où il sera mûr pour sa destruction. Bientôt, les jugements de Dieu consumeront le péché et les pécheurs. Or, voici l'avertissement du Sauveur. Soyez sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par les succès de la bonne chair, par l'ivresse et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vienne subitement sur vous comme un filet, car il surprendra tous ceux qui habitent la surface de la terre entière, tous ceux dont le cœur est attaché aux choses d'ici-bas. Veillez donc en tout temps et priez, afin que vous puissiez échapper à tous ces maux qui doivent arriver et subsister devant le Fils de l'homme. Avant la destruction de Sodome, cet ordre avait été donné à Lot. Enfuis-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne de peur que tu ne périsses. Par la même voie, ce conseil suprême fut donné aux disciples devant la destruction de Jérusalem. Par la même voie, ce conseil suprême fut donné aux disciples avant la destruction de Jérusalem. Or, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez à ce moment-là que sa ruine approche. Que ceux qui seront alors dans la Judée s'enfuient dans les montagnes. Selon cette intimation, les disciples ne devaient pas s'attarder à emporter un objet quelconque, mais tirer tout le parti possible des instants qui leur étaient laissés pour s'enfuir. Pour Lot et les siens, il s'agissait de rompre radicalement avec les méchants, de sauver leur vie par la fuite. Il en avait été ainsi au jour de Noé, et il en fut de même pour Lot, comme il en sera encore ainsi au dernier jour. Alors la voix de Dieu se fera entendre à nouveau, sommant son peuple de se séparer de l'iniquité universelle. Le tableau de la corruption et de l'apostasie qui existeront dans le monde religieux au dernier jour nous est donné dans la vision de l'Apocalypse sur le jugement de Babylone, la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Voici l'appel qui retentit du haut du ciel avant sa destruction. « Sortez de Babylone, ô mon peuple, de peur qu'en participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Comme au jour de Noé et de Lot, la séparation d'avec le péché et les pécheurs devra être radicale. Pas de compromis entre Dieu et le monde, ni de retour en arrière pour acquérir des richesses terrestres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Semblable aux habitants de la vallée de Siddim, le monde rêve d'un avenir de prospérité et de paix. « Enfuis-toi pour sauver ta vie !» nous crie l'ange de Dieu. Mais d'autres voix clament « Pas d'excitation, il n'y a pas de quoi s'alarmer !» Les multitudes répètent « Paix et sûreté !» alors que le monde annonce qu'une ruine soudaine surprendra les pécheurs. La nuit qui précéda leur destruction, les villes de la plaine vautrées dans le tourbillon du plaisir se moquaient des avertissements du messager divin. Mais la même nuit, la porte de la miséricorde se ferma pour toujours sur les habitants de ces cités indolentes et dépravées. On ne se joue pas toujours de Dieu impunément, et on ne le fait pas longtemps. Oui, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère qui réduira la terre en désert et en exterminera les pécheurs. La grande majorité du monde rejettera la miséricorde divine et sera emportée par une ruine soudaine et irrémédiable. Mais ceux qui tiendront compte de l'avertissement,
habiteront dans la retraite du Très-Haut et reposeront à l'abri du Tout-Puissant. Sa fidélité sera leur bouclier protecteur. C'est pour le juste qu'est la promesse. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Lot ne demeura à Tsoar que peu de temps. Les mœurs de Sodome y prévalaient. Craignant que cette ville ne subisse le même sort, il s'en éloigna. En effet, peu après, Dieu la détruisit, comme il en avait eu le dessein. S'étant retiré dans les montagnes, Lot trouva un gîte dans une caverne où il vécut, dépouillé de tout le confort pour lequel il n'avait pas craint d'exposer sa famille à l'atmosphère empoisonnée d'une ville corrompue. Il en subit les conséquences jusque dans sa retraite. On voit, par la conduite de ses filles, qu'elles étaient aveuglées par l'immoralité de Sodome au point de ne plus distinguer le bien du mal. Les descendants de Lot donnèrent naissance à deux peuples dégradés et idolâtres, les Moabites et les Ammonites, dont le mépris des commandements de Dieu et l'hostilité acharnée envers son peuple durèrent jusqu'au jour où, la coupe débordant, ils disparurent sous les coups de la justice divine. Quel contraste entre la vie d'Abraham et celle de Lot! Autrefois, ils avaient partagé la même vie nomade. Ensemble, ils avaient adoré Dieu au pied du même autel et vécu côte à côte sous leur tente. Et maintenant, c'est que Lot avait choisi de vivre à Sodome pour jouir de ses fêtes et de ses avantages matériels. Quittant Abraham et le sacrifice quotidien offert au Dieu vivant, il avait laissé ses enfants grandir au milieu d'une populace pervertie et idolâtre. Il est vrai qu'il conserva la crainte de Dieu dans son cœur. L'Écriture nous apprend que le juste Lot était outré de la conduite déréglée de ses pervers et que ce juste qui demeurait parmi eux sentait son âme juste tourmentée chaque jour de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, impuissante à y mettre un frein. Sauvé lui-même comme un tison retiré du feu, il fut néanmoins dépossédé de tous ses biens et privé de sa femme et de ses enfants. Telles sont les terribles conséquences d'un faux pas. Couvert d'infamie en sa vieillesse, il se vit obligé de vivre dans des cavernes comme les bêtes sauvages. « Ne te fatigue pas à acquérir des richesses, dit Salomon, n'y applique pas ton esprit. Celui qui est âpre au gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. » L'apôtre Paul y ajoute: ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quand Lot se fixa à Sodome, il s'était fermement promis de protéger sa famille des mœurs existantes, ce en quoi il échoua complètement. Il ne sut pas même se préserver personnellement des influences corruptrices qui l'entouraient. En outre, les relations de ses enfants avec les habitants de Sodome l'entraînèrent, malgré lui, à sympathiser avec eux. On en connaît les résultats. Beaucoup de gens commettent une erreur semblable. En choisissant un domicile, ils considèrent les avantages matériels plutôt que l'influence morale et sociale dont ils seront entourés, eux et leur famille. Ils jettent leur dévolu sur une contrée belle et fertile et sur une ville florissante qui leur promet la postérité matérielle, mais où leurs enfants seront exposés à diverses tentations et où, trop souvent, ceux-ci formeront des relations contraires à la piété et à la croissance d'un caractère chrétien. L'atmosphère de moralité douteuse, d'incrédulité ou d'indifférence aux choses religieuses qui les y enveloppent neutralise l'influence pieuse d'une famille qui a constamment devant elle des exemples de révolte contre l'autorité des parents ou celle de Dieu. Beaucoup contractent des liens avec les incrédules et prennent parti pour les ennemis de la foi. Dieu attend de ses enfants, lorsqu'ils ont à décider de l'endroit où ils iront résider, qu'ils considèrent à quelles influences morales et religieuses ils seront soumis, eux et les leurs. Il est vrai qu'on ne peut pas toujours choisir son entourage et qu'il peut nous arriver d'être très perplexes à ce sujet. Dans ces cas, souvenons-nous que partout où le devoir nous appelle, si nous veillons et prions, et si nous plaçons notre confiance en la grâce du Seigneur, il nous préservera de la contamination.
mais nous ne devons pas nous exposer inutilement à des influences défavorables à la vie chrétienne. Quand nous nous fixons volontairement dans un milieu imprégné de mondanité et d'incrédulité, nous encourageons le déplaisir de Dieu et éloignons de notre foyer les messagers du ciel. Ceux qui, au détriment de leurs intérêts éternels, recherchent pour leurs enfants les avantages de la richesse et des honneurs, découvriront qu'ils ont fait un calcul désastreux. Plusieurs, comme Lot, verront la perte de leurs enfants et se sauveront difficilement eux-mêmes. Le travail de leur vie sera perdu, leur existence aboutira à une débâcle. Guidés par la vraie sagesse, leurs enfants auraient peut-être acquis moins de prospérité mondaine, mais obtenus un gage sûr à l'héritage éternel. La récompense que Dieu a promise à son peuple n'est pas dans ce monde. Abraham ne posséda ici-bas aucune propriété, pas même un pouce de terre. Très riche, cependant, il employait ses biens à la gloire de Dieu et au bien-être de ses semblables. Mais il ne considérait pas cette terre comme sa patrie. Dieu l'avait appelé à quitter ses compatriotes idolâtres en lui promettant la terre de Canaan comme possession éternelle. La récompense que Dieu a promis à son peuple n'est pas dans ce monde. Abraham ne posséda ici-bas aucune propriété, pas même un pouce de terre. Très riche, cependant, il employait ses biens à la gloire de Dieu et au bien-être de ses semblables, mais il ne considérait pas cette terre comme sa patrie. Dieu l'avait appelé à quitter ses compatriotes idolâtres en lui promettant la terre de Canaan comme possession éternelle. Néanmoins, ni lui, ni son fils, ni le fils de son fils ne virent la réalisation de cette promesse. Quand il voulut inhumer sa femme, il dut acheter une sépulture aux Cananéens. Son seul bien fond dans le pays promis fut cette tombe dans la caverne de Macpéla. Cela ne signifie pas que la promesse de Dieu ait failli, même si elle n'eut pas son accomplissement final lors de l'occupation de Canaan par le peuple juif. Elle n'en reste pas moins certaine. La réalisation de la promesse peut sembler longtemps différée, mais au temps fixé, elle ne tardera pas à arriver à son terme. N'oublions pas qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Le patriarche fait donc lui-même partie des candidats à l'héritage. Mais cette donation promise au patriarche et à ses descendants ne comprend pas seulement la possession de la Palestine, mais celle du monde entier. L'apôtre écrit que la promesse d'avoir le monde pour héritage fut faite à Abraham et à sa postérité, non pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi. La Bible enseigne clairement que les promesses faites à Abraham doivent s'accomplir par Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse, bénéficiaires d'un héritage qui ne peut être ni corrompu, ni souillé, ni flétri, à savoir notre terre délivrée de la malédiction du péché. En effet, le règne, la domination et la souveraineté des royaumes qui sont sous tous les cieux seront accordés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et toutes les puissances le serviront et lui obéiront. Mais les humbles posséderont la terre et ils jouiront d'une grande prospérité. Admis à contempler cet immense patrimoine, Abraham se contenta de cette espérance. C'est par la foi qu'il séjourna dans la terre qui lui avait été promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis. Ils l'ont seulement vu et salué de loin, ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Si nous voulons obtenir une patrie meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste, nous devons nous aussi vivre ici-bas comme étrangers et voyageurs. Je t'invite à la suite de la lecture de cet ouvrage « Patriarches et prophètes » au chapitre 15 intitulé « Le mariage d'Isaac ».
Et si tu as apprécié ce récit, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.